Après un long séjour à l'étranger, le président du groupe organisé des hommes d'affaires, Chérif Abdallah Haïdara, est rentré en Guinée par l'Abbé, où il a animé un point de presse ce mercredi. La rencontre avec les journalistes a essentiellement porté autour de la position du Goa sur le projet de changement de la constitution en République de Guinée. Mais avant de prendre toute position, nous allons d'abord rencontrer les différents responsables. C'est-à-dire nous allons rencontrer l'opposition républicaine, son chef de file et toute l'opposition. Et nous allons rencontrer aussi les membres de la société civile. Nous allons rencontrer les membres de la mouvance présidentielle. Nous allons essayer aussi de rencontrer le Premier ministre et le Président. Nous allons discuter avec eux en tant que citoyens guinéens. Et c'est après tout ça qu'on va dire ce que nous avons à dire. Cette démarche envisagée par le Goa ne constitue-t-elle pas une stratégie visant à monter les enchères pour Chérif Abdallah Haïdara entre adversaires et promoteurs de la nouvelle constitution en République de Guinée? Vous savez, chacun a sa façon de comprendre les choses. Nous ne nous comprenons pas comme ça. Donc, c'est pas une façon, chacun a façon de comprendre les choses. Mais quand un problème est posé, en tant que citoyen guinéen et en tant que responsable, nous allons prendre une position et une position claire qui ne sera pas variable. Mais en attendant de prendre la position, ces positions, nous n'allons pas le faire à tort. Nous ne le faisons pas. Parce que nous ne sommes pas des apprentis de qui que ce soit. Nous sommes indépendants et libres. Nous exerçons librement ce que nous faisons. Et nous avons toujours agi comme ça. Vous comprenez? Nous allons rencontrer tout le monde. Nous allons discuter en frères, en tant que citoyens guinéens. C'est après tout ça qu'on va donner réellement notre avis par rapport à cette situation. En dehors des consultations annoncées, la lutte contre la promotion de la division ethnique en République de Guinée constitue une priorité pour le groupe organisé des hommes d'affaires. Et ce que je dis est clair. Quand nous allons entendre quelqu'un faire la promotion de l'ethnie, je jure, on ne va pas hésiter d'engager des procédures contre la personne, qui qu'il soit, devant les tribunaux nationaux, voire même internationaux. Il est à préciser qu'au cours de ce point de presse, Chérif Abdallah Haïdara était entouré des responsables du bureau local du Goa à l'Abbé. Mais personne ne s'est prononcé sur les sujets abordés par le conférencier.